Je me sens très bien, très content de pouvoir jouer la Final Four parce que ça veut dire qu'on a fait très bon travail pendant toute la saison et je pense qu'il faut s'amuser un peu. Les expériences sont très jolies, mais je pense qu'il faut oublier parce que ce sont tout à fait différents. Quand tu joues la Final Four, après tu joues la prochaine Final Four, c'est tout à fait différent. Les équipes sont différentes, la situation, les émotions sont différentes. Alors je pense qu'il faut oublier qu'on a eu la Final Four, la dernière Final Four en décembre. Il faut se concentrer sur cette Final Four et c'est ça. Il faut préparer le match comme d'habitude parce que si tu sens beaucoup de choses, peut-être tout le monde se trompera et c'est mieux si tu fais les choses que tu fais d'habitude. Alors, cet match, il faut se concentrer sur le premier match. Le match le plus important pour nous, c'est le match contre Aalborg. On a eu beaucoup de problèmes, c'est pour ça que maintenant la situation est très bonne parce qu'on a tous les joueurs, mais comme ça, on était avant de partir à Cologne, quand on était arrivé à Cologne, et Hansen n'a pas pu jouer, Luke Steins aussi, Nico était blessé, la situation était un peu bizarre parce qu'on a préparé le match avec tous les joueurs, après on n'a pas pu jouer, surtout avec les joueurs de centre, on n'a pas eu avec demi-centre. On a joué longtemps sans Nico, Nico va nous aider beaucoup parce qu'il peut être la défense, il peut jouer l'engagement rapide, après il peut jouer l'attaque, il peut faire le repli. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en servir lui, l'équipe aura plus d'équilibre. Je ne sais pas combien de temps il va jouer parce que c'est très tôt pour le dire. Mais quand tu peux compter avec tous les joueurs, c'est beaucoup mieux. La situation de l'équipe est très jolie parce qu'on vient de gagner la Ligue, on vient de gagner la Coupe. On vient de passer l'éliminatoire contre Kiel. Et maintenant, je pense que tout le monde peut s'amuser un peu parce qu'il y aura beaucoup de pression, de tension, mais c'est la Final Four et tout le monde a l'envie de jouer la Final Four et c'est l'objectif. Mais maintenant, si quand il est là, on veut plus, on veut jouer la finale. Et après, on parlera samedi, après le match d'Aalborg. On doit donner beaucoup de respect parce qu'ils sont passés l'éliminatoire contre Flensbourg. Flensbourg a joué contre nous cette saison deux fois. Ils ont gagné deux fois. Et maintenant, Flensbourg est à la première position à la Bundesliga. Et Aalborg a passé l'éliminatoire contre Flensbourg. Ça veut dire qu'ils sont très bons. Il y a beaucoup de bons joueurs avec qualité, avec expérience. Ça veut dire que le match va être très, très compliqué. C'est pour ça qu'on avait dit qu'on ne veut pas parler du deuxième match qu'on va jouer parce que pour nous, la finale sera contre Aalborg. Il y a beaucoup de surprises à la Final Four. Il n'y a pas de favoris. Tu dois jouer 60 minutes, c'est tout. Mais l'équipe est différente, mais l'équipe de Paris aussi. Ça veut dire que pour moi, je voulais le match qu'on a joué la saison dernière parce que je pense qu'on ne va pas répéter le match parce qu'ils sont censés beaucoup de joueurs et cette saison est tout à fait différente. 1, 2, 3, Paris.